Salut les amis! Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir la dernière nouveauté de l'Institut Pini. Qu'est-ce que c'est que ça? Le nouveau club hippique de Pini! Une nouvelle activité pour nos amis de l'Institut Pini. Regarde, tu peux l'emmener où tu veux et tous les accessoires restent à l'intérieur. Comme ça, tu ne pourras rien perdre. Et tu sais comment ça marche. Tu l'ouvres et tu joues, tu le refermes et tu gardes tout. Mais regardez qui arrive au centre hippique. C'est Michel, en tenue d'Amazon, avec ses bottes pour faire du cheval et sa tenue qui lui va à ravir. Je crois que c'est elle qui l'a dessinée. Elle s'est fait une queue de cheval sur le côté. Comme ça, elle ne sera pas dérangée par ses cheveux en montant à cheval. Dis Michel, c'est toi qui as dessiné ta tenue, non? Oui. Comment vous la trouvez? Vous aimez? Ce n'est pas trop formel? Un peu trop sérieux? J'ai des doutes. Pas du tout, Michel. Mais ne nous fais pas plus attendre, nous avons hâte de voir ton cheval. Eh bien, le voilà! Qu'il est beau! Savez-vous comment il s'appelle? L'avez-vous vu dans la série à la télé? Soyez attentifs car à la fin, nous redirons son nom. Il est très symbolique et très joli. Alors, vous le savez? Si vous l'avez vu dans les dessins animés, dites-le nous dans les commentaires. Et sinon, attendez la fin! Eh bien, ce cheval pourrait être encore plus beau avec l'aide de Michel. C'est une experte de la mode. Et oui, même avec les chevaux. Pourquoi ne pas aller de pair avec ton cheval? Dans cette petite caisse, on trouve les fers du cheval. C'est comme leurs chaussures, sauf qu'au lieu d'en avoir deux, ils en ont quatre. Une pour chaque patte. Et voilà! Il n'y a plus qu'à installer la selle et le harnais. Les voilà! Michel, vas-tu faire un tour? Bien sûr, j'adore aller me balader avec... Non, ne dis pas son nom! C'est une surprise pour nos amis. Ah, d'accord. Alors je donnerai juste un indice. Mon cheval sent la fleur. Ah, ça c'est un bon indice. Alors Michel, profitons de ce trajet pour que tu me présentes tout ça. Ça c'est l'étable, où reste mon cheval. Mais ce n'est pas encore la nuit pour qu'il aille dormir. Ici, je prends soin de lui. Ça c'est la douche. Tu as envie d'une petite douche fraîche, hein? Trop bien! Il y a l'eau courante! Bien sûr! Tout ça grâce à ce mécanisme. On y ajoute de l'eau avec le seau et on active la pompe. Et voilà! Mon cheval adore la douche. Et moi, j'en profite pour bien le sécher et bien le peigner. Et je suis sûre qu'après, il est encore plus beau. Tout d'abord, on le sèche avec le séchoir. Puis, on le brosse. Puis, on passe devant le miroir, car il est très coquet. Regardez comme il pose devant le miroir. En plus, il y a tout ce qu'il faut pour prendre soin de lui. Des parfums, des soins. Il faut se préparer pour notre session de photos. Un cheval mannequin? Pas mal! Et oui, à l'Institut Pini, tout est différent. Tout tourne autour de l'art, de la mode, de la créativité. Regardez, tous ces prix sont ceux d'animaux de la mode. Ah, mais je pensais que ce n'était qu'aux chevaux de l'Institut. Oui, aussi, les chevaux participent au concours de beauté, mais aussi à des compétitions de sauts. Regardez, mon cheval va vous faire une démonstration. Waouh, ça c'est un saut. Ça ne m'étonne pas qu'il gagne autant de prix. Il aime bien s'entraîner, il est vrai. Maintenant j'ai besoin de votre aide. Je vais lui faire essayer différentes coiffures à... mon ami. J'ai failli encore vous dire son nom. On peut essayer de lui faire une tresse sur sa crinière, pour ne pas qu'il l'ait dans les yeux. Rose comme mes cheveux. Oui, c'est pour ça qu'on le choisit. Alors, que pensez-vous de la session photo? Pas mal. J'ai aussi pensé lui laisser à l'air libre. C'est plus classique et moderne. Je ne sais pas, qu'en pensez-vous? Je ne sais pas. Mais bon, peut-être que la nuit nous portera conseil. Il est tard et il faut aller à l'écurie. Tu as faim? Tiens, il faut que tu manges avant de dormir. Michel, avant de partir, veux-tu dire, toi, à nos amis, comment s'appelle ton cheval et pourquoi? Bien sûr, et je vois que plus d'un a déjà mis son nom dans les commentaires.
Comme je vous le disais, mon cheval sent la fleur. Et ça, c'est parce que tous les matins, il joue dans les fleurs. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Fleur. C'est original, hein? Il est tard et tout est bien rangé dans le centre hippique. Nous allons pouvoir le fermer pour la prochaine journée. Il est trop mignon, mon cheval, regardez, à la fenêtre pour me dire au revoir. Au revoir, Fleur. Demain, je reviens te voir et nous décidons comment tu te peigneras pour notre session photo. Au revoir, Michel. Au revoir, Fleur. J'espère vous revoir bientôt. Et vous, les amis, vous pouvez aider Michel en lui donnant vos conseils pour la meilleure coiffure de son cheval. Tresse ou détachée ? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour voir d'autres aventures de l'Institut Pini. Salut, à bientôt !